On reprend, hein, les choses reprennent. Ah, ça va, tranquille, ça va. Yes! Transversal, mais ouais. Tranquille. Une demi-heure de jeu. Boum! Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on est à Tubize. Le retour des vidéos à Tubize. Et alors, cette vidéo. Non, mais je pense qu'il faudra rester jusqu'au bout parce que cette vidéo promet. On est 8. Voilà, il y en a encore 3 qui arrivent, donc on sera 11. Bonjour. On reprend, hein, les choses reprennent. Ah, ça va, tranquille, ça va, la Ça recommence aussi, ça. Ça recommence aussi, ouais. Tout pour nous accompagner aujourd'hui, Mathéo, ça va? Ça va et vous? Apparemment, Mathéo a été traité d'autiste par certains supporters d'Anderlecht lors du match Anderlecht Tubize. Je suis content d'être un autiste et à mettre un peu d'ambiance dans le stade, quoi, du coup, on va dire. Ben voilà. Bonjour Bernard. Hello. Ça va? Content de retrouver tout le monde. Y'a pas de curé? Il est parti faire du skate avec des potes. Il est parti faire du skateboard. Ben voilà. Tu vois, quand on me demande dans les commentaires où est le curé, ben. Il est parti à Nivelles faire du skateboard. Voilà. Bah, moi, je sais rien y faire à ça, toi. Qu'est-ce que tu veux faire ça? Et j'ai un cadeau pour Bernard. Voilà. J'ai un cadeau pour Bernard. Lors de notre dernière vidéo, on est passé au Fat Job et on a acheté le petit fanion à Dender. Donc voilà, Bernard. Comme d'habitude, hein, le cadeau. Sympa, hein? Sympa, super. Voilà. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Bernard collectionne les fanions. Donc voilà. Merci, Fab. Et voilà. De Belgique aujourd'hui, on joue contre. Attends, je regarde le nom parce que c'est spécial. ROC Mex de Vanvirton. Voilà. Je ne connaissais absolument pas ce club, donc on va découvrir aussi. On va découvrir. Hein, Bernard. Tu connaissais ce club? Tout à fait, non. Quelqu'un connaissait ce club? Non. Non. Mex de Vanvirton. J'ai jamais entendu parler. C'est l'occasion de découvrir le football de la N3. Transversal. Transversal, mais ouais. On est là pour l'amoureux du maillot. Nous, on est là. Je vais répondre à une question qu'on m'a posée sur Instagram. Non, mais elle est pas mal. Oh, putain, elle est pas mal. Qui préfères-tu entre Curé, Julien Moflag, Adri et Obeljix? Oh là là. T'es pas dedans, toi? Ouais, moi je suis pas dedans. Il est pas dedans. Bah, question un peu bizarre. Hein. Je veux dire. Adri. Voilà, je veux dire Adri. Non, mais je dirais Adri parce qu'Adri, je le connais depuis 50 ans, donc voilà. Ah bon, même ça n'est. Mais les autres, je vous aime bien aussi, hein. Mais bon, Adri, quoi. Toi. Bon, une question qu'on m'a aussi demandé dans les commentaires sur Instagram, là. Pourquoi le surnom le curé? Alors, j'aurais voulu que ça soit le curé qui réponde à cette question, mais le curé n'est pas là. Voilà. Le curé n'est pas là, donc le curé ne sait pas répondre, donc je vais répondre moi. Shoot! Ouais! Yes! Mais non, mais pourquoi le surnom le curé? Le curé, il y a des années, était venu avec nous en bus avec Tubize, et il avait une coupe de curé. Voilà. Et apparemment, j'aurais crié: hey, curé! Voilà. C'est resté. C'est con, hein, comme truc en plus. Hein. C'est débile. Hein. C'est une histoire complètement con, mais c'est comme ça. Voilà. Bon, c'est goal. 1-0 pour les UTB. Voilà. Après une demi-heure de jeu. Tubize joue relativement bien. Je sais pas ce que t'en penses pour l'instant. Mais, ouais, ça joue bien. Après, c'est une équipe des 3. Faudra voir. Enfin, des 3 amateurs. Donc, faudra voir après. Mais à ce que je vois, il y a déjà pas mal de petits automatismes avec les nouveaux qui ont l'air de bien se passer. Donc, on domine. On domine largement cette rencontre. Ouais, non, on verra après contre. On verra d'abord au prochain match de championnat, premier match de championnat, le 28-18 contre Sporting Charleroi, hein, mais pour l'instant, ça a l'air quand même plutôt prometteur. C'est la mi-temps, hein, donc 1-0 pour Tubize. C'est très bien, impeccable. Bon, Bernard, satisfait? Non, je reste un peu sur ma faim. Ouais, ça manque de but? Ça manque de but, oui. Ouais, notre attaquant est blessé, donc Ismaël et le mari est gravement blessé, donc il est absent. On manque d'attaquants. Lukaku en prêt. Ouais, si on peut avoir un attaquant, s'il y a un club qui nous regarde, qui veut nous filer un attaquant. Chelsea, là, il y a gratuit, hein, Lukaku, gratuit. Lukaku, ouais. Ça joue, ça? Ah! Oh, les deuxièmes mi-temps, on s'assied et on bouge plus. Voilà, on est bien là. Bon, on est occupé de checker pour les matchs du week-end prochain. On irait peut-être à Lokeren. Voilà, à voir. Boum! Yes. 2-0, 2-0 pour les UTB. Voilà, à l'instant. Bizarre. Je pense que la messe est dite. Hein. Je pense que là. C'est goal! Putain, je l'ai pas. Là, j'ai pas le goal, ça finit pas. Non, je sais pas. Bon, c'est 3-0, hein. 3-0. Vous voyez ma caméra filmée, évidemment, elle filmait pas cette conne. Donc j'ai pas le but. Bah j'ai pas le but, elle filmait pas. Ah bah j'ai loupé un but, voilà. Premier but loupé de la saison. Ah! Ah dommage. Abel! Ouf. Mathéo, que penses-tu de cette rencontre? Plaisant. Plaisant. Regardez, en vrai, c'est là qu'on voit comme quoi Tubize au final, par rapport à l'année passée, même si l'année passée il y a déjà un bon fond de jeu en fin de
en fin de saison. Cette année, on voit qu'il y a un bon fond de jeu et franchement, ça joue bien. Waouh! De la UTB, donc 3-0, et on se retrouvera donc dimanche prochain. Hein. Ouais. Dimanche prochain. Soit contre, et on sait pas contre qui, mais bon. Soit contre Oné, soit contre je ne sais plus qui. Ouais, on verra, on verra, on verra. Victoire donc 3-0 de la UTB face à ROC Metz devant Virton. Putain, j'ai du mal. Metz devant Virton, voilà. Bien joué. Ouais, très bien joué. Bien joué. Bon Bernard, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette petite rencontre de Tubize? Alors, ça demande confirmation, mais personnellement, je suis séduit. Ouais. Ouais, il y a un fond de jeu, on voit ce qu'ils veulent faire, ça joue bien, ça joue vite, ça joue compact. Manque un peu de réalisme en finition, mais j'ai confiance pour la saison qui vient. Ouais. Bon ben voilà, pour cette reprise, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve donc vendredi peut-être, ou en tout cas dimanche, hein, ça c'est sûr, pour un nouveau match, voilà. Avec notre ami Bernard. Oui, oui. Sûrement Bernard sera là. Sûrement. Ouais, il sera là. Ouais, ouais, Mathéo ouais. Aussi. Mathéo qui discute, mais il sera là aussi. Hein, Mathéo ? Quand ? Je sais pas, vendredi, dimanche. Ouais, le week-end verra. Prochain, quoi. On verra, on verra. On verra. Mais dimanche, ouais. Dimanche on est ici. Ouais, bah oui, bah, donc t'es là. Ouais, non. Ah, donc il est là. Bon, voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. On n'oublie évidemment pas le petit like, l'abonnement si c'est pas encore fait. Et on se retrouve bah, le week-end prochain hein, pour un nouveau match et une nouvelle vidéo. Voilà. Sur ce, bisous. Bisous, 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 ouais. Bisous, hein. Bisous. Hein. Bisous, hein. Ah, attends, Mathéo, attends. Mathéo. Comme dirait Adri. Ah oui, c'est si vrai. The next week. Et tant qu'il faut, c'est vous, vous êtes oui. Attends, il est rouillé, il est rouillé. Comme dirait Adri, thank you for all, see you the next week. Et comme dirait pour nos instruments, bon anniversaire à us et tout le monde risqué. Voilà. Que le curé n'est pas là, c'est moi qui vais le faire, see you the next week. The next week. Allez, sur ce, on va regarder le standard maintenant. Allez. C'est à noter qu'on a toute la famille Hazard qui est là. Donc il y a Eden, Torgan. Et Kylian et Ethan qui a joué sur la pelouse, voilà. Donc ils sont tous là.